أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Qu'avez-vous donc à vous partager en deux clans à propos des hypocrites? Allah les a pourtant renvoyés à leur mécréance pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Voulez-vous donc guider ceux qu'Allah a égarés? Mais il ne se trouvera point d'issue à celui qu'Allah égare. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ils auraient souhaité que vous mécroyiez comme ils ont mécru, car alors vous seriez pareil. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux avant qu'ils n'aient émigré dans le chemin d'Allah. S'ils se détournent, appréhendez-les et tuez-les là où vous les trouverez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni soutien. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Hormis ceux qui rejoignent un clan auquel vous lient un pacte, ou ceux qui viennent vers vous avec un serment au cœur, ne sachant pas s'ils doivent vous combattre ou bien combattre les leurs. Mais si Allah l'avait voulu, il les aurait mobilisés contre vous, et ces derniers vous auraient combattu. Alors, s'ils gardent leur distance par rapport à vous, ne vous combattent pas et vous proposent la paix. Allah ne vous laisse aucun chemin pour déclencher contre eux les hostilités. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Vous en trouverez d'autres qui souhaitent gagner votre confiance et celle de leur propre peuple. Chaque fois qu'ils sont retournés vers l'idolâtrie, ils y replongent tous. S'ils ne gardent pas leur distance par rapport à vous, ne vous proposent pas la paix et n'arrêtent pas de vous inquiéter, alors attrapez-les et tuez-les là où vous les rencontrerez. Sur cela, nous vous avons doté d'un pouvoir manifeste. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Un croyant n'a pas à tuer un autre croyant, sauf par erreur. Celui qui tue un croyant par erreur devra affranchir un esclave croyant et remettre le prix du sang à sa famille, si celle-ci ne décide pas de le céder en charité. Si le défunt est membre d'un groupe ennemi et qu'il soit croyant, vous devrez affranchir un esclave croyant. S'il est membre d'un clan auquel vous liez un pacte, vous paierez dans ce cas le prix du sang à sa famille et affranchirez un esclave croyant. Celui qui n'en a pas les moyens jeûnera 2 mois successifs en signe de repentance et de retour à Allah. Allah est omniscient et sage. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Celui qui tue délibérément un croyant aura pour punition la géhenne, où il séjournera pour l'éternité. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui préparera un terrible supplice. Ya ayyuhallazina amanu idha darabtum fi سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Oh, vous qui avez cru, quand vous partez combattre pour la cause d'Allah, soyez lucides dans vos actions. Et ne dites pas à celui qui vous adresse le salut en musulman, « Tu n'es point croyant », uniquement parce que vous convoitez les richesses de ce bas monde. Sachez qu'auprès d'Allah se trouvent des butins en abondance. Vous-même étiez ainsi auparavant. Puis Allah vous a comblé de ses grâces. Soyez donc lucides dans vos actions, car Allah et de tout ce que vous faites informer. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Ceux des croyants qui restent en arrière, excepté les infirmes, ne sauraient égaler en mérite ceux qui luttent dans le chemin d'Allah par leur bien et leur vie. Allah a promu ceux qui luttent par leur bien et leur vie à un rang supérieur par rapport à ceux qui sont restés en arrière. Et à chacun des croyants, Allah a promis la plus belle des récompenses. Mais il a élevé les combattants à une dignité supérieure par rapport à ceux qui sont restés en arrière, en leur réservant une récompense infiniment plus grande. وكان الله غفورا رحيما. Il les a élevés à des rangs venant de lui. Il leur a accordé un pardon et une miséricorde, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux qui se sont lésés eux-mêmes verront les anges reprendre leurs âmes en disant « En quoi étiez-vous donc ? Nous étions faibles sur terre, répondront-ils. » Les anges demanderont alors « La terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous émigriez ? Ceux-là auront pour séjour la géhenne, et quel horrible sort !» إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants
incapables qu'ils sont de trouver tout seuls les issues et les voies. À cela, Allah accordera peut-être le pardon, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Celui qui émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maint refuge et de vastes richesses. Et celui qui quitte sa demeure pour émigrer vers Allah et son messager, mais que la mort surprend en cours de route, sa récompense est assurée auprès d'Allah. Allah est certes absoluteur et tout miséricordieux. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Lorsque vous parcourez la terre, il ne vous sera pas fait grief de raccourcir la salate, si vous craignez d'être défié par ceux qui ont mécru. Les mécréants, en effet, sont pour vous un ennemi avéré. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
Et lorsque tu es parmi tes troupes et que tu dois les diriger dans l'accomplissement de la salate, que certains se tiennent debout à tes côtés en tenant leurs armes. Leur prosternation achevée, ils devront passer derrière vous pour que viennent d'autres qui n'ont pas encore accompli la salate. Qu'ils l'accomplissent avec toi, en restant vigilants et en tenant leurs armes. Les mécréants aimeraient tant vous voir distraits, au point d'en oublier vos armes et vos bagages. Ils vous tomberaient alors dessus d'un seul coup. Il ne vous sera pas fait grief si, gêné par la pluie ou souffrant, vous déposez vos armes. Mais restez toujours vigilants. Allah a préparé aux mécréants un supplice humiliant. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Lorsque vous aurez accompli la salate, invoquez Allah, debout, assis ou étendu sur le côté. Une fois la sécurité retrouvée, accomplissez la salate, d'une façon normale. Car la salate est pour les croyants une prescription déterminée dans le temps. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ne lâchez pas pied en affrontant les ennemis, car si vous souffrez, ils souffrent comme vous. Mais vous espérez d'Allah ce que, quant à eux, ils ne sauraient espérer. Allah est omniscient et sage. إِنَّا أَنزَلْنَا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Nous avons fait descendre en révélation vers toi le livre de la vérité, pour que tu juges entre les hommes par les enseignements qu'Allah t'a révélés. Ne sois donc pas le défenseur des traîtres. Et implore pour toi le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Et n'argumente pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah n'aime pas le traître déterminé et le pécheur obstiné. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا.
Ils font tout pour se cacher des hommes, mais ne font rien pour se cacher d'Allah. Il est pourtant avec eux quand, la nuit, ils tiennent des propos qu'ils n'agréent pas. Allah, par son savoir, cerne ce qu'ils font. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Voilà donc que vous plaidez pour eux dans ce bas monde. Mais alors, qui plaidera pour eux au jour de la résurrection? Et qui sera leur défenseur? Celui qui commet un méfait ou se lèse lui-même, puis implore le pardon, trouvera qu'Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et celui qui commet un péché l'aura commis contre lui-même. Allah est omniscient et sage. Et celui qui se rend coupable d'une faute ou d'un péché, puis en accuse un innocent, assumera une injustice et un péché flagrant. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Sans la faveur et la grâce d'Allah envers toi, un groupe d'entre eux aurait tenté de t'égarer. Mais ils ne font que s'égarer eux-mêmes et ne sauraient en rien te nuire. Allah a fait descendre en révélation sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la faveur d'Allah est envers toi vraiment immense. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات
الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Il n'est aucun bien dans beaucoup de leurs secrètes conspirations, sauf à ordonner une charité, un acte de bien ou une réconciliation entre les hommes. Celui qui agit de la sorte, souhaitant la satisfaction d'Allah, nous lui accorderons une très grande récompense. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui entre en dissidence avec le messager, après que le droit chemin s'est nettement distingué pour lui, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous le dirigerons vers ce qu'il s'est choisi lui-même, et le ferons brûler dans la géhenne. Et quel horrible sort! إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah ne pardonne pas que lui soit associé quoi que ce soit et pardonne tout autre péché à qui il veut. Et celui qui donne des associés à Allah s'est égaré et est allé très loin dans l'égarement. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Il n'invoque, en dehors de lui, que des divinités féminines, et n'invoque que Satan le rebelle. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah l'a maudit et Satan a dit « Je m'attribuerai sûrement une partie déterminée de tes serviteurs. » ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Certes, je les égarerai et les nourrirai d'illusions. Je leur donnerai des ordres et ils fendront les oreilles du bétail. Je leur donnerai des ordres et ils défigureront les créatures d'Allah. Et celui qui prend pour maître Satan plutôt qu'Allah est voué à la perdition la plus évidente. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Il leur fait des promesses, les nourrit d'espoirs vains, mais Satan ne se réfère que promesses fallacieuses. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Ceux-là auront pour refuge la géhenne, et ils ne trouveront aucune issue leur permettant d'y échapper.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Et ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, nous les ferons accéder à des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à jamais. Telle est la promesse d'Allah. Est-il plus véridique qu'Allah dans ses paroles ? من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Cela ne sera dû ni à vos espérances, ni aux espérances des gens du livre. Celui qui commet un forfait en recevra la rétribution. Et il ne trouvera en dehors d'Allah ni allié, ni soutien. Et ceux qui, hommes ou femmes, accomplissent les bonnes œuvres en vrais croyants, ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés, pas même d'un nakir, le point creux sur un noyau de date. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Et qui a meilleure religion que celui-là qui se soumet entièrement à Allah, tout en faisant le bien et en suivant la tradition d'Abraham, le vrai monothéiste? Car Allah avait pris Abraham pour ami proche. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Et de par son savoir, Allah cerne toutes choses. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Il t'interroge à propos des verdicts décrétés, fatwa, concernant les femmes. Dis, Allah prononce pour vous son verdict à leur sujet. À cela s'ajoute le verdict concernant ce qui vous est déjà récité dans le livre au sujet des femmes orphelines, auxquelles vous ne remettez pas ce qui leur est dû et que vous désirez épouser vous-même. Et encore le verdict concernant les mineurs sans protection. Conduisez-vous envers les orphelins avec équité, car tout ce que vous faites de bien, Allah le sait parfaitement. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Et si une femme craint de son mari qu'il la délaisse ou la néglige, il n'y a aucun péché à ce qu'ils trouvent, tous les deux, un moyen de réconciliation. Se réconcilier est toujours meilleur, car les êtres sont enclins à l'égoïsme. Et si vous faites le bien et avez la piété, alors Allah est de ce que vous faites informé. أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Vous ne saurez être équitable avec vos femmes, même si vous vous y employez avec soin. Ne penchez donc pas entièrement vers l'une pour laisser l'autre comme suspendue. Mais si vous rétablissez de bons rapports et avez la piété, Allah alors est absoluteur et tout miséricordieux. Mais s'ils se séparent, les deux conjoints, Allah, de par ses largesses, compensera à chacun ce qu'il aura perdu. Allah est large et sage. الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, craignez Allah. Et si vous mécroyez, sachez qu'à Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Allah se passe de tout et il est digne de toute louange. وللله ما في السماوات وما في الأرض
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et Allah suffit comme protecteur. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. S'il voulait, il vous réduirait à néant, ô homme, et il en ferait venir d'autres, car Allah est de cela infiniment capable. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Et quiconque veut la récompense de ce bas monde, qu'il sache que c'est auprès d'Allah que se trouve et la récompense de ce monde et celle de l'autre. Et Allah entend tout et voit tout. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada. قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعدلوا Oh, vous qui avez cru, soyez juste en étant témoin conformément aux prescriptions d'Allah, quitte à témoigner contre vous-même, contre vos deux parents ou vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, car Allah est plus apte à veiller à leurs intérêts. Ne suivez donc pas vos passions, de peur que vous ne déviiez de l'équité. Et si vous témoignez par le mensonge ou refusez de témoigner, alors Allah est, de tout ce que vous faites, informé. Ya ayyuhallazina amanu نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ô vous qui avez cru, croyez en Allah, au messager et au livre qu'il a révélé à son messager, et aux écritures qui ont été révélées auparavant.
et celui qui mécroit en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier, s'est égaré, y est allé très loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru, puis ont mécru, et ont cru, puis ont mécru, puis ont gagné en mécréance. Jamais Allah ne leur pardonnera, ni les guidera vers un chemin droit. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un très douloureux supplice. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Ceux-là qui prennent des mécréants pour alliés et non pas des croyants, recherchent-ils donc auprès de la puissance? N'est-ce pas que la puissance appartient tout à Allah? وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Voici ce qu'il vous a déjà révélé dans le livre. Quand vous entendez rogner et moquer les versets d'Allah, ne vous asseyez pas avec ceux qui agissent de la sorte, à moins qu'ils ne se mettent à parler d'autre chose. Autrement, vous seriez à eux semblables. En vérité, Allah réunira tous ensemble dans la Géhenne les hypocrites et les mécréants. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Ce sont eux qui guettent ce qui vous arrive. S'il vous vient une victoire par la grâce d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et si ce sont les mécréants qui ont eu leur part à la victoire, ils disent « Ne vous avions-nous pas sous notre tutelle? Ne vous avions-nous pas protégé contre les croyants? Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. » Et aux mécréants,
Allah ne donnera jamais le moyen de nuire aux croyants. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Les hypocrites s'essaient à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Quand ils se lèvent pour aller à la salate, ils le font en fainéant et pour l'exhiber devant les gens. Et il n'évoque Allah que rarement. Tiraillé entre deux choses, la foi et la mécréance, il ne relève ni de ceci les croyants, ni de cela les mécréants. Mais celui qu'Allah voue à l'égarement, jamais tu ne lui trouveras de chemin. Ya ayyuha allatheena amanu la تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Ô vous qui avez cru, ne prenez donc pas pour alliés les mécréants plutôt que les croyants. Voulez-vous donc, par là, donner à Allah contre vous un argument évident ? Innal munafiqina fi d-daraki l-asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Les hypocrites seront relégués au plus bas niveau de l'enfer. Tu n'y trouveras pour eux aucun allié pour les secourir. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Excepté ceux qui se repentent, corrigent leurs erreurs, s'attachent indéfectiblement à Allah et lui vouent un culte sincère. Ceux-là seront avec les croyants, et Allah accordera aux croyants une très grande récompense. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Qu'a donc à faire Allah de votre châtiment si vous avez reconnu ses faveurs et si vous avez cru en lui? Allah est reconnaissant et omniscient.